Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alien Isolation, évidemment, en 2K 60 FPS. Il est actuellement 22h55 et on est parti pour l'épisode 12. Donc, installez-vous confortablement, les gens sont partis vers un petit pipi, la petite pause clope et tout. Attention, fumer, c'est mal, d'accord? Et YouTube, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Figurez-vous qu'on a eu le fin mot de l'histoire. C'était bel et bien un bug. Voilà, en fait, cette porte devait s'ouvrir avec le Marshall. Le Marshall devait enclencher son script, quitter la table sur laquelle il se reposait, ouvrir la porte et s'installer aléatoirement à des postes informatiques. Alors que nous, bah, il restait contre la table. Il suffisait de recharger la partie et on était bon. C'est pas grave, un petit bug, ça arrive, voilà. Il y avait juste à recharger le jeu, ça aurait pu être bien pire que cela. Direction donc la tour et on est parti pour la suite de notre aventure. Et voilà, c'est, vous savez, c'est un jeu de 2014, mais comme je disais, que ça soit de 2014, de 2002, de 2021, un bug, il n'y a pas d'âge, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Ricardo doit être devant vous. J'ai envoyé votre copain Samuel au processeur d'Android. Une fois qu'on aura buté cette chose, je lui demanderai d'accéder à Apollo et de lever le verrou. Et Samuel, c'est d'accord? Il a dit qu'il voulait filer un coup de main, et moi, j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça devrait être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez, Ripley, on est les seuls à pouvoir empêcher cette créature de plonger Sébastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller tuer cet enfoiré. Ok. Là, il n'y a pas de casier, il n'y a rien pour se protéger si jamais. C'est long. Il y a quelqu'un. C'est où ça arrive? Et là, t'imagines, l'alien, il sort normal? En mode, hello! Je t'attendais, petit. Ça aurait été incroyable. Je me serais sûrement chié dessus. Ok, bonne destination, on peut y aller. Allez, direction la tour Systec Lorenz. Let's go! Ça risque de swinguer. Plus en retard que les trains de la SNCF. Oh, vous abusez un peu. C'est quoi un retard de 46 minutes? Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et G-Exoplanet. Ils ont taffé les moindres bruits, comme l'accélération de la navette, alors que je suis sûr qu'on n'est même pas en mouvement. C'est sûr et certain. C'est fort, hein? Cette station dessert Sixon Communication Technologie. Je suis dans la tour Systec. Oh mon dieu. J'ai peur, ça va être terrible. Vous savez, je le sais. L'épisode précédent, il s'est rien passé. Mais là, j'ai déjà entendu l'alien énervé. Mais ils sont fous, quoi, frère? Mais fais pas ça comme ça, gros! Mais non, mais frérot, on peut mourir de ça, les gars! Non, monsieur? Hop, je t'ébraye. Hey, si je t'attrape, je te mange! Je viens de faire le tour.
malade d'abord. Genre, j'ai pas... Comment on recharge... Non mais j'ai envie de mourir. Comment on recharge la lampe torche? En tout cas, ça n'a pas de sens ce qui se passe. C'est comme ça? Ah bien ouais, je regarde. Attendez, là, ça n'a aucun sens, là. Ma vie n'a aucun sens depuis cette explosion. Si je reste ici trop longtemps, je risque la mort. C'était pas assez rouge. Bon, quoi? C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'on peut faire un récap? Avec cette station. Elle a jamais vraiment bien roulé. Et à cause du démantèlement, il y a plein de systèmes qui ont défermé. Ajoutez à ça le fait que tout le monde est trop occupé à essayer de rester en vie plutôt que de faire tourner la baraque. Et c'est le bordel. Ah, vous avez raison. Je pense qu'on n'avait pas le choix, mais c'était votre idée, pas la mienne. J'avais même pas vu que ma santé tombait en fait. Moi qui pousse ce cri là? C'est un spasme les gars, c'est rien. Chier. Je sais pas quoi faire moi les gars. Peut-être qu'ils sont pas en fait liés. Y'a pas un truc qui vient d'exploser là-bas? C'est le cadet de vos soucis. La créature est pas loin. Vous avez entendu la demoiselle? On dégage. Mais qu'est-ce que je suis con, putain. Mais c'est pas possible ça. Ah ouais, mais moi, on m'a toujours appris à pied. Après, propre. Vous avez compris quoi? Ok. Bah attendez, alors pour le coup, vu que c'est des alliés, là je me sens un petit peu plus chaud là. Très sensible en ce moment, ok? Ben non, mais il faut vraiment partir par là, je crois. Wait, la créature.
Comment on fait pour l'emprisonner? La tour a été construite pour traiter les composés chimiques précieux trouvés sur la géante gazeuse. Les mesures de précaution contre le piratage sont toujours en place. On peut sceller la tour, les conduits, les portes. Donc, vous construisez une cage autour de la créature, et ensuite, Ricardo l'enferme. Ok. Oh non. Ok. Ouais. C'est où les points de save là? On m'a dit qu'il faut toujours passer sa vie accroupie dans le jeu. Et vu qu'il y a des casiers ici, c'est que l'alien il peut littéralement être partout. Mais par contre, genre réellement le flash là, où j'ai sursauté là. Franchement les gars, si vous êtes sensible, tu peux faire une crise cardiaque, je rigole même pas hein. Heureusement que hey, vous vous êtes foutu de ma gueule. Je suis moyennement prêt. Ouais, mais les gars, je crois que vous pensez trop que le lance-flamme il sauve des vies, mais. Les gars, le lance-flamme il fait que de la flamme. Il y a le daron qui revient, les gars. Ricardo finalise le verrou. Vous devez fermer les portes de sécurité tout autour de l'escalier. Ensuite, les portes de l'entrepôt des munitions, les portes de l'accès à la maintenance et à la réception du centre du serveur. Faites un compte rendu en même temps que vous progressez. Il est là. Hein. Frérot, ton compte rendu, c'est pas... Ouais, mais en attendant, les gars, casier simulator, je serais pas rentré dans les casiers, je serais déjà mort deux fois. Hein. Envoi du rapport à Apollo. Oh non. Oh non, wesh. Identifié. J'ai
Je pensais qu'il partait. C'est que ces conneries. Hop, c'est peut-être ça. Alors, c'est rien les gars. Tout s'est bien passé pour l'instant. Le plan se déroule à merveille. Bon. Sous mais quelle angoisse. C'est quoi ce bruit mon ref wesh? Mais les gars je suis ballonné ou quoi? Oh non mais j'en ai marre. C'est encore un bug? Oh, je voulais te mettre pause hein, j'ai pas le temps de lire moi les gars, c'est connerie là. Ouvrir les cellules. Les gars, je crois que j'ai des ballonnements. Mais je suis en constant bruit. Non, c'est le lance-flamme. Mais mon ref, le lance-flamme de quoi? Jamais de la vie, c'est le lance-flamme. Oh non, je suis en bug. Les gars, c'est pas le lance-flamme. Eh, regarde, revolver. Même bruit. Même bruit, les refs. Ah, c'est bon. Suffisait de se lever. Eh, les bugs, j'en peux plus, là, les gars. Foutez-moi la paix, hein. Je veux juste être tranquille, putain. C'est pas possible de mener la vie d'un loca. Attendez, parce que je crois que... Voilà, c'est ce que je pensais, petit. C'est vrai, c'est à toi, tu fais volver. Ah bah, nickel, y'a rien là-haut. Vida loca. La 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 la. Oh mais y'a un problème ou quoi? Bah alors? Bah les gars, si je fais Q, D ça marche, mais Q ça ne marche pas. Accès à la maintenance verrouillée. Affirmatif, je répète.
En fait, fallait pas faire Q, fallait faire D, les gars. Alors ? Cet enregistrement, c'était pas le nom de la je ne peux dire qui s'est échappé. Il y a des corps. Les autres ont été pris dans des conduits. Un par un. Les portes étaient verrouillées, mais pas les conduits du plafond. Il n'y avait aucune issue de ce. Non, en fait, Q, c'était pour aller à gauche, mais fallait aller à droite, donc c'était D. Encore un petit bug, les gars. Non, c'était même pas le QWERTY, je croyais, mais. C'est pas grave. Le camp des gentils qui font encore confiance au Marshall, au centre commercial. Et puis, il y a Sinclair et ses crétins de sbires armés quelque part dans les quartiers. Je leur laisse moins d'une semaine. Ok. Mais qui est là ? Vraiment pas mal, ça. Bon, le lance-flamme, ouais, ça sauve des vies, hein, les refs, hein. Putain, il me fait chier, lui. Mais je l'aime bien, quand même. Je l'aime bien, ce corps. Il y a du grand bordel. Je crois que j'ai oublié un truc en bas et c'est pas une blague, les gars. Hop, mais c'était pas ça. Et je pense vraiment avoir oublié un truc en bas. Voilà, c'est ça. Let's go. Ok. Tu m'as fait peur, José. Allez, file. Je peux le voir. Ça, c'est des bruits. C'est des bruits qui me plaignent moyennement. Attendez. Hein. Ah non. Tant qu'on n'a pas save. Ah. Pas une petite save là pour Bibi, les gars. Attends. Déjà, regardez s'il y a les utilitaires. Il y a des erreurs partout, putain. En fait, j'ai compris un truc. Si jamais... On est d'accord que quand on utilise le lance-flamme, il est obligé de nous porter un coup quand même. On est d'accord. Il nous porte préjudice, le salaud. C'est juste qu'on a réussi à le faire... C'est une blague ou quoi? Frère, tu m'attends de l'autre côté de là où je dois aller?
salopard. Bonsoir. Ça va vous? Hop. Voilà. On va rechanger le joint de culasse. Aucun problème. Voilà, voilà. Ah, il suppose qu'il faut redescendre tout en bas. Ça va pas tuer une femme comme ça, monsieur. Ça va, toi? Sale journée, je comprends. Je vais te dire que j'ai vécu la même. Ouais, ouais, ouais. Oh non, c'est reparti en bug. Dernier les gars. C'est quoi ce bruit, wesh? Et calme les gars. Wait, vous me connectez à Ripley? Je vous ai déjà connecté. Ripley, il y a une commande d'annulation pour initialiser le verrou d'urgence. Ta gueule. Elle est sur le terminal, derrière le bureau de la réception. Pardon. 7, 7, 8, 9. Hughes, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par ce bateau. Réception du centre du serveur bouclé. Bien joué. Va dans la grappe de serveur. Discretos. J'ai besoin de savoir certains trucs. À propos d'une transmission de données pour la compagnie émise en faveur de Phoebus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ceci dit, personne d'autre n'a besoin de savoir, hein? Si vous balancez, attendez-vous à des représailles. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses que Marie ignore, pas vrai? Laissez-les faire leur décodage et mettez-moi au courant quand ils auront fini. On peut garder ça dans le domaine civil. Bonsoir, monsieur. Encore une sale journée. Ok.
Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, non ? Fait état d'un bon service dans toute la station. C'est normal. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Il faut la déclencher de là pour t'enfuir. La sortie est ouverte jusqu'à ce que tu sois dehors. Ensuite, je referme le piège. Oh, c'est bien ça. Les amis, je crois que ça va être la fin de notre aventure. Bonsoir. Encore une sale journée. Je comprends. Wow, là, il y a beaucoup de sales journées là. Bon, effectivement, j'ai la réponse. Je ne me rappelle pas vous avoir compris avant. C'était quoi ce bruit, genre. Animé, Yamete Kolasai. Certains articles très dangereux. Fils de pute, j'en ai rajouté une couche, c'était pas nécessaire. Ça va vous sinon les gars ? Alors. Ça déjà c'est fait. Voilà, pour ça c'est cul par contre. Nickel. Impeccable. Plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire. Regardez. Eh, le bonheur commence par les choses simples. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 12. Alors cet épisode de tous les dangers, cet épisode les amis, cet épisode était terrible. Oh, ce qu'on n'a pas pris dès le début, c'était terrible. Allez, on va s'arrêter là. YouTube, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on va... En vrai, on va continuer pour l'épisode 13. On va continuer pour l'épisode 13. À très bientôt, YouTube. Sinon, bah, vous savez que ça se passe sur Twitch. Voilà. Est-ce que je vous l'ai assez dit ? Je ne pense pas. Venez sur Twitch, vous vivrez ça avec nous en direct. Et vous pourrez vous chier dessus avec le chat. Et ça, c'est beau. À tout de suite.